Tu étais très ravissante ce soir. Ah oui? Ah oui. Sexy comme jamais. Ouh. Le rouge te va très bien. Mais je n'ai pas un rouge. Je te dis le blanc. Pas non plus. Le jaune. Dans le marron. Bonjour Gisèle. Elle est où? Toi, viens là. Alors le film était vraiment génial et si c'était à refaire, moi j'étais en famille pour ce film, donc c'était vraiment, on a bien rigolé, on a passé un très très bon moment. Donc les leçons à tirer de ce film sont vraiment géniales. Donc, je conseille à tous les gens de la diaspora de venir se profiter de ce bon moment et puis de partager une expérience avec vos pays. C'était vraiment génial. Qu'est-ce que ça cache? Je dois aller au Nigeria ce soir. Chérie. Oh là 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 là. La diva coco est là. Ma chérie. Ok, bon, effectivement, c'est un très grand plaisir de participer à cette projection. En général, on regarde que son petit écran. Donc, l'effet d'être dans une salle de cinéma et regarder les films camerounais, franchement, ça fait plaisir. On a l'habitude de sortir regarder les films plus occidentaux ou américains. Mais là, bravo au cinéma camerounais. Et on remercie énormément aussi pour ETV pour cette mise en visibilité, pour cette promotion de l'art. On espère que ça va continuer. Et moi, j'invite tout le monde, tous les Camerounais, tous les Africains, franchement, à encourager cette initiative parce qu'aujourd'hui, c'est ainsi que nous allons développer notre continent et promouvoir notre culture. Merci. La plus belle de la soirée. Coco. Pardon? C'est mon prénom. Appelez-moi la diva Coco, tout simplement Coco. Je préfère Coco. Alors, comment avez-vous trouvé le film? C'est un super film. Moi, j'ai trouvé le scénario très bien et puis qualité. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la qualité sonore et d'image. C'est rare que des films africains soient si bien réalisés. C'est un film que vous pouvez recommander dans les différents réseaux? Pour moi, c'est satisfaisant parce que je vois que l'Afrique est sur la bonne voie pour vraiment aller vers... je pense que bientôt, on va aspirer à des grands studios comme Nollywood ou Bollywood. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour une première projection sur la place parisienne du film? Alors, cette première s'est plutôt bien passée. Je suis particulièrement content qu'il y ait eu autant de monde. Les premiers avis, c'était très positif, d'après ce que j'entends des personnes qui étaient là. Donc c'était très positif. On est vraiment content parce que l'initiative de faire des projections de films africains et camerounais en particulier
dans des salles parisiennes, c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup. C'est vraiment quelque chose, à mon sens, au bout de 2, 3, 4 fois, les Camerounais qui aujourd'hui ne savent même pas que ce jeu se fait, vont être au courant et à mon avis, je pense que ça va être une chose de plus pour notre cinéma camerounais. La salle était comble et justement, pour ceux qui n'ont pas pu venir, on les invite le 7 février. Le 7 février, il y a un bis du même film à 19h30 également. Donc, on vous invite vraiment massivement. Ceux qui n'ont pas pu venir, venez à cette production. La productrice Noël Kemé sera là, présente. Donc, tous ceux qui veulent faire des selfies, etc., elle sera là. Donc, venez la voir. C'est une première des films camerounais à Paris avec la productrice. C'est vraiment une première. Donc, venez encourager. Ceux qui n'ont pas pu venir, vraiment, on vous invite massivement à venir. Merci.